Découverte en nocturne de Hidden Deep, qui est donc sorti en Early Access hier, ce lundi 24 janvier. On est sur un jeu qui se présente comme étant un jeu science-fiction-action, inspiré, attention, ils disent d'Alien, de Half-Life. Voilà, c'est leur premier jeu, il me semble, à ce studio. Et donc, je vous disais, accès anticipé, on a du français, on va voir ça. Vous avez de la coop locale en écran partagé, on peut faire jusqu'à 4. Nous, on va jouer en solo pour le coup. Et bah écoutez, c'est de la découverte. On est censé être dans une histoire de sous-marin enfoui sous terre et tout. Voilà, il y a une ambiance normalement assez pesante. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de jumpscare. Et d'après le trailer, on a vu qu'il y avait beaucoup de façons de mourir. On va voir ça. Ah, déjà, on voit que c'est lancer une expédition. Donc il y a un côté un peu, j'imagine, Die and Retry. Ok. Si vous voulez vous concentrer sur l'histoire et toutes les activités uniques, le moins possible d'ennemis et de combats, la difficulté la plus facile. Si vous voulez profiter de l'histoire mais sans délaisser l'action. Mode recommandé pour la peur des joueurs, quantité moyenne d'ennemis et de combats. Ok, exploration intense, bien sûr, le mode difficile. Ok, bah pour l'instant on va mettre difficulté normale, hein, du coup. Faudra peut-être que je passe mon clavier en QWERTY, on va voir ça. Je suis assez étonnée qu'en early soit déjà traduit, du coup. Oh, c'est écrit tout petit. Ils ont pas prévu qu'il soit 1h du matin, hein, que... Ah, vous voyez pas, il y a mes mines, du coup je vais décaler la barre. En même temps, il y a aussi un truc en haut. Durée survivant. Mais est-ce que je peux faire à la rigueur, je suis en train de réfléchir. Oh, c'est mes mines qui est en bas. Je vous montre. Je vous montre ce que ça fait. Tac. Putain, je vais l'enlever. Hop. Soyons fous. Donc c'est bien du QWERTY. Hop. Et ben let's go. Comme ça vous avez tout l'écran. Vous avez vu à gauche, en bas à gauche la map. Ok, je vais juste regarder si je peux vous augmenter la taille des... Je pense pas, hein. Ah, on peut, semblerait qu'on peut jouer manette pour ceux qui me demandent parfois. Espace pour sauter, ça devrait bien se passer. Il faut que je fasse un screen. Hop. Attendez, il y avait un switch là. Il me faut une manivelle. Très bien. Qui est là? Allons-y. Moi je peux courir. Il y a eu un bruit. Ok, j'ai pu ouvrir ici. Lâche ça. Là, c'est écrit quoi? Tunnel principal. Ah, de toute façon, je ne peux pas aller par là, en fait. Ok. On va se sentir à 100%. Je savais que j'allais prendre un coup. Je le sentais en fait que le truc ça allait être. Bah voilà. Bah vous êtes mort. Très bien. Donc. Il faut faire comme ça en fait, non? Voilà. Il fallait utiliser ce qu'il nous avait dit de faire. Je vous avais dit qu'il allait mourir. T'sais, parce que j'avais pas l'impression qu'il courait. Hop là, bien joué. Puis sur espace. Ah oui, si, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, il prend un peu cher. Hein. Alors, attendez. Relève-toi déjà. Ah, il peut me mettre encore plus bas. Comment on fait pour qu'il se relève? Bon, C. Ah, c'est bon, je l'ai relevé. Hop. Oh là là, regardez ça. Putain, on a l'air d'avoir beaucoup de trucs. Hein. Et là, je peux tirer à nouveau.
Voilà, il y a des bruits. Moi, je suis pas prête pour ça. Hein. On m'a dit pas de jumpscare. Hein. La personne qui m'a dit ça, si c'est faux, je te déteste pour tout, non? Ah, attendez, il y a un truc là. Ah, voilà. Je suis pas venue ici pour mourir. La conduite 2, c'est de l'autre côté. Ok, mais je peux pas aller là. Si je peux avec ça. J'ai pas la clé. Faut que j'aille dans la zone B. Ok. Bonjour. Je sens qu'il y a un truc qui va m'aggro là, je suis pas prête. Hein. Je vous dis que j'avais peur. En tout cas, la zone B est là. C'est effrayant, non? Oh là là. Attends, une histoire de pistolet là. Ok. Au début, j'avais pas compris la commande. Il y en a encore, vous avez vu? Oh non, de Zeus. Ok. On charge. Oh merde! Mon grappin, du coup. On demande beaucoup. Enfin, j'ai baissé le son pour moi, hein, j'ai peur. Ça y est, hein, vous me connaissez. Hein. La flip pour rien. Oh. De ma mort. Je sens bien ça par là. Ça fait un petit recoin. Mais ça va, c'est plutôt ergonomique le tir. Surface. Ah. Il y a personne. Oh là. C'est effrayant. Oh. Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Je vous l'avais call. Ça semblait évident. Quelle idée de s'aventurer ici enfin. Parce qu'on a survécu, hein. Longuement là. Hein. Alors qu'on n'était pas trop près. Merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Tout va bien se passer. Et vous voyez là, ça ferait un split screen en fait si j'avais. Voilà. Il y a rue des méchants. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. La catastrophe est là. Alors. Moi ce que je propose c'est de les attirer comme ça. Mais buteux. Il y en avait deux avant, hein. J'ai envie de dire. Mais bon. Meurs pas, meurs pas. Oh, c'était sûr. C'était sûr qu'on pouvait mourir comme ça.
C'était tellement sûr. Ça va pas être simple, hein. Ah si, en allant comme... Ouais. Oh là là! Calmez-vous! C'est peut-être jouable en allant à gauche tout simplement. C'est peut-être pour ça que j'ai bien fait de rouvrir. Oh là! Oh là! Bon, c'était pas jouable en allant à gauche finalement. Bah écoute, même tout que ça se passait bien, hein, jusque... Il y a quelques instants. Mais là... Je sais pas si je fais une erreur. Ça marche pas comme ça. Alors vous savez quoi, on va juste redescendre en fait, tout simplement. On va descendre. Et comme ça, la question va pas se poser. Il y a un truc qui vient de tomber du plafond, tout se passe bien. Mais non, relève-toi. Relève-toi. Ok. Ok. C'est bon. J'ai l'impression que c'est sans façon de mourir. Merci beaucoup, Kendris. Bienvenue, les gens. Bienvenue. Venez me voir angoissé et mourir. Comment ça va? À quoi tu jouais? Bienvenue, en tout cas. On est en train de... J'étais sur New World, juste avant. Et là, on est en train de tester un jeu qui est sorti hier en accès anticipé. Dans lequel on a l'air de pouvoir quand même bien facilement mourir. Mais par contre, il y a des checkpoints assez fréquents. Est-ce que nous avons la clé, les gens? Tout va bien. Ah ouais! Ah bien! Bien, bien, bien! Moi j'ai testé qu'une fois le Maelstrom, du coup c'était il y a 2 jours, mais c'était avec un ami qui venait de démarrer. Alors non pas que ça change grand chose, mais on était deux à être fatigués et lui venait de démarrer. Donc c'était pas fifou, mais j'ai bien envie de refaire une session. Par contre sur le jeu classique, ça se passe quand même vachement bien. C'est cool. Toujours un plaisir ce petit Rainbow Six Extraction. Oh là là. Amazing, attends je recharge. Hop. Oh là là, j'ai peur. Eh, on a passé le début. Ah, puis ça va, il se passe pour qu'on signe. Bon appétit. Non mais comme ça, je peux faire genre... Oh, ça fait 17 jours, franchement, bien la survie. Attends, c'est quoi cette histoire de Tarascanner? Explique-moi tout. Alors, un... Bah dis-moi comment faire. Pourquoi pas me l'expliquer? Bah super. B. N. Attends, j'ai fait N, mais... N. Oh. Ah ouais! Ok.
D'accord. Je suis encore moins. Rendez-vous au point indiqué sur votre carte. Il pouvait pas faire plus petit la carte, hein? D'accord. C'est-à-dire que pour voir où est-ce que je suis censée aller sur ma carte, comment dire? C'est quand même un concours de le plus petit possible. Les gens qui ont fait ce jeu sont pas vite. Faut maintenir. Grande salle, hein. Je peux le faire abandon. Rien. Rien, but. Boum. Terra scanner, et là on va se dire, ah, en fait il y a quelque chose. Boum. Du coup on peut exploser ici. Bon, celui-là c'est fait. Il veut que j'aille à l'autre aussi. Ça monte. Allez. Fais un effort. C'est très RP comme truc. Hein. La mort. Et je veux voir si là ça change le compte de survivants du coup. Ok, donc on a 20 survivants pour réussir en fait. Goûte, non. C'est assez angoissant hein, comme un. Comme truc un peu. Tout seul dans les tunnels là. Quel plaisir! Non. Pas du tout. Oh, là, c'est gigalon. Je suis pas allé au bon endroit, là. Si. Du coup, moi, j'ai bien envie. Enfin, je fais ça. Il veut pas, là. Est-ce que j'ai mes explosifs? Bon, je suis censée écouter le tuto, mais... Hein. Poser une bombe X. Parfait. Je sais pas si ça allait assez loin. Oh merde. Alors attendez. C'est embêtant, hein. Moi je trouve ça quelque peu embêtant. Moi, bon, ça m'inquiète, hein, si je fais ça et qu'ensuite... Ah non, c'est l'un ou l'autre. Donc si je fais hop... Ouf. I did it. Du génie. Et là, il y a peut-être des bestioles, des apiens. C'est un plaisir pour moi de voir les gens angoissés. C'est quand t'as... Parce qu'on m'a proposé une clé pour ce jeu. C'est pas une OP, hein, mais on m'a proposé d'y jouer. Je sais pourquoi pas. Et j'ai dit, mot pour mot, je pense que mes viewers vont fort apprécier, moi beaucoup moins, la situation claustrophobique. Ouais. Pourquoi il veut plus? Ok. Vous êtes prêts, hein? Utilisez une charge explosive et crée une brèche. Oh! Mais le bon endroit dans quel sens? Écoutez. Le jeu a l'air de kiffer. Ah oui, c'est là! C'est là! Putain, mais le truc m'avait absolument pas dit ça. Bon, du coup, on est en train d'y arriver, hein? Alors qu'on a rien compris.
coup, la brèche est créée. Je trouve que je me donne beaucoup pour vous, là. Faudrait pas y prendre goût, hein. Est-ce bien nécessaire? En tout cas, on a trouvé. On a réussi. Pas gagné. Attendez. Mais parce qu'ils veulent qu'on aille très profond. Mais dans quel objectif? Oh, vous avez vu un boyau là? Et là? Ah, je trouve ça hyper angoissant de voir qu'il y a des. Qu'il y a des cavernes en dessous quoi. Ah, mais j'ai plus d'explosifs comme ça. La question se pose pas. Hein. Je savais qu'il y aurait des trucs. Oh, c'est bien, je peux regarder comme ça. Je peux voir s'il y a des pioches. C'est bon. Vous savez qu'il y a des trucs plus vénères que ça, on a vu dans le trailer. Hein. Des trucs qui t'avalent la tête là et tout. Écoutez, je veux bien scanner, mais... Oh là! Vous avez entendu ce bruit? Bon, là, il n'y a rien par là. Comme ça. Ça, c'est mort. C'est ça, on va se rapide dans les entours. Regardez ça! Oh, ça c'est pas mal, hein! Attends, je vois ça. On peut électrocuter! On peut utiliser un aimant aussi, vous avez vu en bas à droite? Ah! Mais pas trop longtemps, quoi, par contre. On la refait, du coup. Peut-être une question de portée. Un s'écran à droite. Vas-y. Ça marche pas. Hein. Ça est cru. Ah si, comme ça. Ok. En fait, faut que ce soit à distance. Vas-y. Je peux le faire. Donc je vérifie comme ça. Et là, je vais pouvoir... Ah bah, il n'y a plus d'ennemis. Là, il y en a un. Ok, comme ça. Bon. Sur ce, avançons. Non, c'est pas ça que je veux faire. Stop! Meurs! Bon, on va attendre que ça s'en aille. Hein. Écoutez. Ça joue un coup. Allons-y. Mais ouais, c'est un peu trop effrayant pour moi, la situation, il est vrai. Quand même. Très fort, à quel point l'histoire est intéressante. Mais il y avait un truc qui me bouffait les pieds, je l'avais pas vu. Bute-le ! Voilà, merci. Mais plus rien, c'est bon. On peut y aller. Ouais, j'ai plus de bombes, hein, donc... Bah j'ai plus d'explosifs, du coup voilà. C'est dommage quand même. Oh, c'est un peu dommage. Détecteur de mouvement élevé.
Juste pour voir. J'ai pas encore le détecteur augmenté. Ça me saoule un peu de recommencer la mission. J'avais juste pas capté ce qu'il fallait faire. J'en ai aucune ici. Confirmé. Il va juste me stock, je pense. Ouais. Oh. Alors, si je fais retourner au menu principal, dans le jeu, il n'y a que ça, hein. Ouais. Enfin, c'est un mode de défi. Dans les 10 de données sur l'immense carte. Oh. Motivé, hein. Eh bien, écoutez. On va refaire. Donc, on va faire. Jour 17, machin. Et on va refaire proprement, ok? J'ai moins peur, hein. J'aurais peut-être dû te dire de conserver les explosifs. Pourquoi tu y as joué? Ou c'est parce que t'as vu qu'il y avait un nombre d'explosifs sur mon écran, là? Ok, là c'est bon. Et c'est là. Hop! C'est beaucoup mieux. Hop là! Il y en a... En fait, c'est là. Faut être sur la deuxième ligne, vous avez vu, c'est ce qu'ils avaient dit. La deuxième ligne indique la portée des explosifs. J'ai vu quelqu'un jouer les deux premiers niveaux. Il a eu le même problème. D'accord! Mais du coup, vous le saurez quand vous jouerez. Pas mal. Ouais, t'as vu, j'ai bien fait là. Au taquet, mourir. Good. You found an entry point to a deeper level. But we're not quite there yet. Explore this area, try to find an even deeper entry point with your terra scanner. Après, je pense que même les munitions... Oh, ça va, 130 munes. C'est quand même pas dégueu. Ouais, bah c'est sûr que si tu m'avais dit garde tes explosifs et tout, je me serais dit, ah, ça y est. Backseat, là. Donc t'as bien fait. C'est pas grave. En vrai, ça nous a permis de le faire propre. Hein. De pas avoir peur pendant 10 minutes. J'ai du mal à aller dans le trou. Hop. Titre. Ah, je peux faire ça pour attirer les mobs. Ça a pas l'air de grandement les attirer. Oh là, je suis devenu MVP là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pouvoir appuyer pour que ça s'arrête. Hop! Lâche-le. Hop! Et là, tac! Ok. It must be here. Now try to blast a hole.
Ça m'a fait peur, j'avoue. Allez, il y a beaucoup d'inertie sur la balle. Oui, j'ai appelé ça une baballe. Allez savoir pourquoi. Ok, j'en ai un nombre limité hein, des balles, j'ai l'impression. J'étais à 5, je suis passée à 4. On va voir là si je tue un autre truc. Oh, reviens. Ah, dommage. Ah non. J'ai un doute. C'est-à-dire ? Enfin, début de Ready Future Rock Tour. Ah non, non, je vais laisser l'échec. Au contraire. Je rigole pas. Hein. Ça fait partie. Ah, finalement, la map n'est pas si illisible que je le pensais au premier abord, tu vois. Je suis contente qu'on ait pas juste 3 balles pour tout le niveau, des trucs comme ça un peu là. Je peux dépasser le terrain comme tyrolienne. Oh nice. Attends, je vais d'abord regarder s'il reste des trucs vivants dans le coin. Tu m'excuseras. C'est bon. Donc tac. Les outils sont sympas. Hein. Les outils sont sympas. Appuyez sur Enter. Reculer un peu. Le graphisme. Faut aimer. Hein, bien entendu. Et est-ce que l'histoire est vraiment intéressante? C'est la question que je me pose à ce moment, mais je viens de débuter. Ok. Nice. Une certaine satisfaction quand même dans la réussite de trucs qui font un peu bader. Ah ça y est, j'ai le détecteur. C'est quoi l'oublette ça? Ouf. Zéro. Attendez. Ouf. Ça marche pas. Ah si. Ah ok, on va le biper genre en mode on se rapproche pas. D'accord. Bon, j'imagine qu'il est à droite là. Se demander s'il faut pas du coup percer un trou là, mais je pense que la portée est pas assez. Par contre, un petit coup de lui du coup. Hop. Oh là, c'est pas loin ici. Ah, j'ai envie de faire un trou ici quoi, mais. Le trou sera pas large du tout, c'est des trous en profondeur à chaque fois. Vous savez quoi, j'essaie de monter, on va voir si il dit que je me rapproche, mais je pense pas. Ah. Ouais, non, je m'éloigne. Il me reste combien d'explo? On peut faire une sauvegarde? Ou pas? Je vais pas prendre le risque d'utiliser des grues et qu'après je puisse plus rien faire.
mais là, je me suis rapprochée. Oh. Tiens. Non, je m'étais amortie avec la bestiole, c'était trop bien. Soul. Du coup, en fait, si je me rapprochais. Aïe. Non! Bon, je vais remettre la petite sphère. Hop. Ça ira mieux. Je vois bien un truc là. Ah non. J'y pensais. Voilà. Quelle machine. Ah, j'ai plus qu'une seule truc comme ça. Vous n'avez pas détecté un moment, j'ai rien fait. Tranquille. Ah. Ah, dis-moi que le... Ok, là, c'est pas bien là. Il est mort là. Je m'attendais pas à ça. J'avoue. Pourtant on l'avait vu dans le trailer. Hein, mais pas pile là quoi. Pas reconnu le délire. Vas-y. J'y vais comme ça, YOLO. Oublions pas ce détail. Quand ça mettra avec le pistolet, oh, je cherche pas, on a quand même 100 balles à la base. Clairement, je m'en mets pas. Heureusement, en vrai, que je suis revenu en arrière. Parce qu'en fait c'était par là.
Alors, on y est, hein. Des fois, il lâche des larves et tout, donc... autant faire gaffe. En fait, si je fais la tête, il n'y a pas de problème, mais... je sens bien la grosse arnaque, là. En bas, est-ce que c'est en haut? Vas-y, attends. Oui, un petit truc exprès là. On dirait. Il va que c'est juste là. C'est là. Ok. Bon, heureusement que j'ai regardé. Si je mets un explosif ici. Il a pas marché l'explosif? J'ai pas dû le mettre. Ça va pas marcher. Ouais. Pas du tout ouf. Et ça, il me dit qu'il n'y en a plus. Est-ce qu'on est en train de faire n'importe quoi, là? Est-ce qu'il fallait passer par un autre endroit? Je vais remonter, on va voir. Par contre, là, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Rien ? Je suis étonnée. C'est quoi ce coup de pression, là ? En mode, peut-être... C'est pas vraiment l'idée, hein. Fallait pas la lâcher ensuite, mais sinon on l'avait. Oh, il y a la radioactivité. Regarde ça. C'est quoi que j'ai pris en recharge là? Routier. Ah, c'est bon. Je sais pas du tout ce que j'ai récupéré. Alors c'est compliqué les contrôles, parce qu'il faut que j'appuie sur C en même temps. Ah non, en fait, il faut que j'appuie sur sauter carrément. Ok.
Ok, c'est bon, il est de l'autre côté du boyau, là. Et donc là, je peux faire mon truc de tyrolienne, attendez. Let's go. Hop. Ok. Oui. Oh là là. Sauf qu'il est juste de l'autre côté, là. Ah, mais je peux faire ça, c'est bon. Oh, on a réussi. Ah, je suis trop contente. Parfait. Thank God you found me. Vernon was trying to find a way to escape, but he never came back. There's a way out to the east. Attends, il y en a deux. Maintenant, je peux utiliser un autre bonhomme. Attends, mais je vais devoir les avancer, les deux. Nom de Zeus. Ça, ça marche pas. Super. Je peux faire ça, mais c'est pas ça. Yep, Lint. Pourtant, je suis bien sûr. Ah, oh, bah, super. Non, mais. Please. Alors, lui, il a pop. Ah là, c'est bon, ça a marché. Allez savoir pourquoi ça a fonctionné. Oula! Attendez, je vois quelque chose d'intéressant là. Voilà. Et du coup, il y a un inventaire, un truc. La façon de bouger là est un peu bizarre. Ah, lui il a pas ce qu'il faut. Il a pas le grappin. En fait, c'est parce que j'étais dans l'inventaire que ça marchait pas. Tout à l'heure. C'est même pas rien. Attends, attends. Oula. Mais non, mais hé! C'était pas prévu ça! En fait, j'aurais pas dû avancer le bonhomme tout seul. Ils ont pas d'un coup, hein! Juste pour m'embêter. Let's go, let's go. Il a buté l'ingénieur. Oh, ça devient compliqué quand il y a plusieurs bonhommes, hein? Ouais, bah vas-y, sélectionne-le, fais quelque chose. Non. Vous pouvez le sélectionner pour le ressusciter. Oh. J'ai pas l'impression de pouvoir faire quelque chose. Là, il y a ça, là. J'ai pas compris ce qu'il veut que je fasse. Ah. Je vois pas. Ah, juste sélectionner comme ça?
Ah oui, c'est bon. Bon, et l'autre, du coup... Ah, c'est très compliqué de gérer plusieurs persos, franchement. Non, en fait, il faut que je passe la corde. Faut que je descende moi, quoi. Il a été buté. Pas compris tout là. Pas tout compris. Dans ce qu'ils m'ont demandé de faire, je pense que j'ai mal fait. Entendons-nous. Peut-être qu'il a dit de mettre une tyrolienne et que j'ai pas compris. Hein. C'est en tout, je vais mettre une tyrolienne. Oh, j'ai piqué l'autre. It's ok, it's ok. La tyrolienne va rien m'aider à faire ça, là. Forcément. Non, je vais juste descendre, tant pis. Je mets à comprendre ce qu'ils veulent de moi. Je peux plus avancer, là. Merci, Gandalf. Voilà, je prends la mauvaise commande, aussi. Bienvenue, Jean. Ok. Là, si je fais un, un... Ah merde, il réapparaît là, lui. Bah tant pis pour lui. Qu'est-ce que je vous dise. Ça, ça sent le truc de là. Ok. Saloperie. L'autre s'est fait buter. Mais en vrai, tant pis. Comment tu vas, Gandalf? On a niqué nos points d'extraction. Comment dire? Ah, je sais ce que je peux faire. Wait. Je sais. C'est bon. J'ai une idée. Je vais mettre une corde, il va pouvoir descendre, il sera tout là-haut. T'as un raccourci clavier qui doit être placé corde. Ah, c'était ça la virgule qu'il disait. Alors moi, je vais faire autrement, mais c'est ça en fait, ouais. Ok. Je vais la faire comme ça. Mais... Il est con aussi. Je pense que ça, il peut. Ah non, il peut pas. Donc je suis obligée de repartir avec le premier. Donc, je vais éviter de tuer plus de survivants. Ah, il va se faire rebuter. Alors attendez, du coup en fait là, je dois utiliser le raccourci, le fameux, le virgule là. Sauf que c'est pas virgule me concernant, puisque... Ok, donc, paramètres de commande. Lancer une corde. Je vais le changer. Ok. Comme ça. Il veut pas. Il le fait pas, hein. Peut-être en faisant ça. Non. Je vais mettre une autre lettre, Osef. Ah ouais, mais si, en fait, il veut rien. Ok, hop. Ah, c'est bon. J'ai... C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un problème de commande, du coup. Et aussi que je pensais pouvoir le faire avec l'autre. Mais moi, on a buté la bête qui est après. Ça, c'est finalement une bonne nouvelle. Oh là là, ça y est, on a descendu les deux. Bah, quelle aventure! Vraiment dur de contrôler les deux au début, quoi. Après, comme je vous ai dit, il y a de la coop locale, donc...
L'idée, c'est pas spécialement de faire ça. Et je crois qu'il a dit un truc en... On peut contrôler les deux en même temps, sans doute. J'en sais rien. J'ai pas lu. Hashtag j'ai pas lu, bravo Maury. Quand tu as un groupe de 4, ce sera tellement le bordel, mais tellement. Et donc là... Je vais dans l'eau. Ok, ça a l'air ok pour l'eau. Oh bah ça a l'air bien nul ça. Tu contrôles la direction et ensuite tu le fais avancer. Super. C'est si mal barré. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de profondeur. Ah ben il est mort. Il me reste 5 survivants. Je pense qu'il faut quand même aller là. Ok, je pense que c'est là. Le deuxième. On peut pas dire que je m'en donne pas. Hein. Je me commit, hein, l'histoire. Ouf, là j'ai très mal commencé. Il risque de mourir, lui. Peut-être sur la suite, il va se révéler excellent nageur. Mais c'est marrant, du coup, ils ont des spécificités. Il n'a pas le même stuff, l'ingénieur, par exemple. Allez, tu peux le faire. Attendez, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas guetté, là. Ok. Oh là là, ça viendra apparaître. Stop. On lâche rien, il nous reste 5 survivants. C'est encore possible. T'as la map énervée. En vrai. Mais c'est prenant en tout cas. Je dis pas que j'y passerai des lives de 10 heures quoi. Mais la découverte était prenante. On est fou. Allez là, ça part sur une tyrolienne, je pense quand même. Trop loin. Là j'ai le droit. Mais ça va pas être fou si je fais ça. Oh. Super. Est-ce que c'est pas parce que j'ai... J'ai pas visé le bon truc. Oh, hop. Les violons. Bah j'ose espérer qu'on pourra aller de l'autre côté. Hop. Ça me paraît un peu short. Voilà. Ouais non. Putain la chute est énervée. J'ai eu un succès par contre. 4 restants. Il reste en plus. Forcément, ils ont respawn. Allez. Je pense que si je rage, je refais pas tout. Je tiens à le dire.
Et oui, ça arrive pas. Du coup, j'ai un affreux doute, quoi. Non. C'est pas ce truc-là. Ah! J'ai réussi. C'est bon. Alors, il fallait enlever l'autre, quoi, mais... C'est bon. Wep, wep, mon pote, Krone. Il y a quelque chose en termes... En termes d'ambiance, on est d'accord. Les actions font un peu... je sais pas, il y a un côté très RP, finalement. Tu te sens vraiment investi dans le truc, quoi. Bon, j'espère qu'on est bientôt à l'endroit. Putain. Trois survivants. Pas qu'on soit. Oh merde, il est en train de se faire taper l'autre. Oh, c'est injuste! Là, c'est chaud, par contre. Ok, bon. J'ai plus le droit à l'erreur. Ah, c'est dommage! Franchement, je vais partir que avec un pour l'instant. Déjà, je pensais que j'allais rater là. Ah, en plus, l'extract allait juste à gauche. On va bien voir. Ça passe ou ça casse. De toute façon, là. Relève-toi! Je vous jure que... Ouh, il se relevait pas. C'est ouf. On va essayer. Qu'est-ce que je te dis? Qui tout double? La mort est à chaque tournoi. Un peu là, le coup de dans le boyau... Bon, on dirait que j'étais presque. Hein. Bon, vous savez comment on procède, quoi. Parce que là, dans le boyau... Allez, c'est intense du coup, hein. Allez, descends, abruti. Oui. 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 Attends, faut qu'on s'enlève, ça se trouve. Je vois bien qui nous bute. Mais voilà. Franchement, j'ai trop peur. C'est bon. Je suis sûre qu'on pouvait se prendre les hélices. C'est pas fini, hein. On a réussi! Il en restait un in vie. Waouh! Oh, quelle aventure! Eh ben, c'est. Ça met la pression, hein! Nom de Zeus! Moi, je pense que je vais arrêter les gens. Mais waouh! Là, excusez-moi. Du coup, ouais, je pense que je vais arrêter, mais bien cool, hein. Enfin, la deuxième mission là, comme on était sous pression et tout, a trouvé tout son sens. Les commandes au début, t'es en mode what the fuck.
Et puis en fait bien. Je regarde juste, hein. Là, les deux ascenseurs en fait sont bloqués, ça. Déjà, c'est mon perso se met à copier. Mais ouais, ouais, y a de l'idée, hein. Je pense que c'est un jeu. Tu vas plaire quand même à une catégorie de joueurs qui jouent à ce type de jeu un peu. Voilà. Où la mort peut t'attendre à chaque tournant, comme on disait. Mais une fois que tu maîtrises, je pense que c'est assez satisfaisant. Pas comme ça, quoi. Et là, ça fait une mort en vrai. Je vais avancer un petit peu quand même, juste pour voir. Et je pensais qu'il n'y avait pas une échelle en fait. Ah non, il a respawn pas du tout, je pensais. Tout s'explique. Je suis en mode, mais il y avait une échelle avant ici. Ça change vite, hein, ben, quoi. Je vais juste faire ça, moi. Oh, on peut glisser le. Du coup, c'est vraiment en mode rescue. La meilleure année. Par contre, si on pouvait avoir les textes plus gros, je pense que c'est le reproche que je ferais. Clairement. C'est intéressant à suivre pour nous. C'est vrai? Tant mieux alors. $52,88, ok. C'est vrai que tu... C'est salut. Hop. Et du coup, comme on disait, c'est de l'accent anticipé. J'imagine, sous-entendu, ils vont rajouter des trucs. Bon là vous me direz, comme j'irai pas forcément au bout de la mission, on peut se permettre de prendre ça. Hein. Attends, c'était quoi? Putain, j'ai oublié la commande. Dommage. Commande pour activer les interrupteurs. C'était pas mal. En vrai, ça doit. Mais en vrai, du coup, je pense que je peux tester le truc de l'interrupteur. Ça peut être intéressant. Hop! C'est E. Ok. Juste E. Et ouais, voilà. J'ai même pas besoin de faire le tour. Ah ah! Trop bien. Là, vous voyez, j'aurais pu faire le tour aussi, en fait. Mais là, j'ai utilisé la fonctionnalité qui me permettait de... d'activer avec la petite boulette. La coop locale doit être bien aussi, hein. Je sais pas s'ils ont prévu qu'on puisse en faire une en ligne. Faudra revérifier sur le truc du jeu. C'est vrai, si tu joues avec des gens qui sont un peu... genre assidus dans le délire et tout. Parce que sinon, bon, tu meurs assez vite. Les gens qui sont motivés pour essayer de le faire bien propre, ça peut être grave, grave intéressant, je trouve. Tac. Et voilà. Et voilà. Et là, faut aller chercher lui, j'imagine. J'ai pas écouté ce qu'il fallait faire. Ah bah bravo! Vous félicite pas? Trouvez la zone D219. Ok. Faut que j'arrête de me mettre à côté.
t'as bien stressé, enfin. Oh là, les succès. Amazing. Bien good. Le local est partagé d'après signe par ligne. Ouais, mais je me demande si c'est pas au programme, tu vois. C'est ça que je me dis. Could be. C'est bon truc. C'était ça que je voulais utiliser. Paf, voilà. Ok. Là, je vais pouvoir descendre. On y est, non? Mais ouais, la suggestion que je ferais, c'est de pouvoir régler la taille de l'interface. Alors peut-être j'ai raté quelque chose, mais... Ils sont là, regardez. C'était pas ça. Nice, hein. J'ai pris la coop en ligne pour plus tard. Ah bah je pense que ça sera important, tu vois. Parce que là c'est un truc que j'aimerais bien faire, tu vois, en coop. Vraiment. De base, je ne suis pas tant coop, tu vois. Mais là, je trouve que ça prendrait vraiment bien son sens. À deux, par contre, c'est vrai que là ça monte jusqu'à 4 personnes. Oh là là. Attends, Jean-Eude, attention à toi. Mais il m'a buté! Saloperie. Monsieur, totalement. Bah franchement c'est pas mal du tout, hein. Comme je disais, de prendre un prime abord quand même assez. Ok. Assez hostile, hein. J'espère que j'écrase pas l'autre juste comme ça. Je pense que ce qu'il faut c'est que voilà. On puisse descendre ici. But. Bien entendu. Ah bah, hop. Ouvrir la porte. Mais là, je vais pas pouvoir prendre ça. Je pense que c'est ce truc-là qu'ils veulent que je descende. Ok, je comprends. Là-dessus. Hop là! Merveilleux! Alors attends. Ok. Par contre, il faudrait que tu lâches ça. Voilà. Parce qu'il faut l'ouvrir. Sinon, ça va pas être fou. Truc de fou! Rendez-vous compte de ce qu'on fait. J'ai bien fait de continuer un petit peu. On va attendre que ça se stabilise tranquillement.
Enfin, je vais stabiliser, hein. Ça, je vais voir un coup, tranquille. En fait, je suis en train de continuer le jeu. JPP. Il y a le remote play. Ah ouais, après le remote play, tu vois. Une des personnes avec qui je me voyais le faire est quelqu'un qui stream aussi. En stream, c'est pas forcément le plus rare. Mais ouais, ouais, c'est déjà cool que ce soit en place. Et puis ça tourne bien, hein. Ça tourne bien. Je vous ai pas dit le prix du jeu aussi. 18€ actuellement. Passe, passe, tranquille. Est-ce que ça va réellement se stabiliser? Moi, j'ai confiance. Voilà! J'ai cru qu'il allait écraser mon pote. Je vais me mettre derrière. Hein. Oh, c'est parti. Ah, ça s'arrête tout seul. Je savais pas. Bon, attends, il faudrait qu'on aille chercher le pote aussi. Le pauvre, il est là-haut. Oh, il a pas trop le choix, de toute façon. Bah non. Pas vraiment. T'as vu? J'ai cassé le jeu. C'est bon. Oh, ça aurait été dommage, j'ai pas continué, on aurait pas vu ça. Arrête-toi, peut-être. On va utiliser ça? Est-ce qu'il y a un... Il n'y a pas de jus. Alors peut-être lui il peut faire quelque chose. Quitter la grue. Ah bah lui il a pas de quoi, ok. Il a pas dit en fait, hein. Il peut rien faire à sa vie. Ok. Ah ouais, non, y a pas rien de perso ou quoi actuellement. Je ne pense pas. Tu sais, je ne sais pas tout, mais... On voit quand même rien. Ça, c'est des mines, en fait. C'est des mines, je crois. C'est pas de mal, hein. Hop. Pas d'électricité. Eh bien, allons vers l'inconnu. J'aime bien cette idée. Mmh. Ils vont vouloir que je fasse un trou ici, 100%. Attendez, j'arrive plus là. Allez! Ils sont de moi là. Je vais être coincé dans le trou là. Attendez. C'est bon. Ok.
Quelle aventure! Je vais pas de main mort, pas avec une lune. On en profite. Après, je vais sauter. Ça n'a pas sauté, vous l'aurez remarqué. Mais toi. Il manque une manivelle. Ok. Non, je vais pas faire ça. On va aller voir l'autre côté. Écoutez. Ça fait pas de mal. C'est absolument pas ça que je vais faire. Je vais faire ça. On va prendre des rats de fou, ils courent pas. Ah! Ouf, je vois cher. Mais j'ai plein de mines. Je peux spam. That's the point. Vas-y, ça. La manivelle est là, il y a un truc dans le sol. Non? Oh, j'aurais trop cru. Qu'est-ce qu'il a chopé? Ah, comme ça. Ok. Bon, vous aurez une mission rave. J'en ai 200 points, comme on dit. Par contre, pour la redire, je suis en train de me dire que ça a mis du temps à s'installer là. Le côté intéressant. Je jure, enfin, comment dire, j'ai mis du temps à être prise dans le truc. Et c'est dommage. Parce que du coup, les gens. Non, pas forcément le ressenti que vous pouvez avoir en live là. Qui sont restés. Voilà, hop là. Ok. Beaucoup moins austère hein, cette mission là quand même. J'ai trouvé. Que ça? Rien? Ok. Ah! Saloperie! Au moment où je dis beaucoup moins star. Ah hein. Oh ouais. Faut que je remonte.
quand même. J'aime beaucoup mon roster. Je maintiens. C'est marrant, c'est juste que le point de save est un peu spécial. Bon, il m'a saoulé. Comme ça, il sautera pas dessus. Ok. Voilà le disque. Ah, il y a une autre tâche. D'accord. Il veut pas? Je suis déjà trop full lune. Ça doit être ça. À l'aide, quoi. Il y a 4 bonhommes au max de ce que j'ai vu dans le trailer. Oh, je découvre comme vous, hein. Mais ouais. Vu que j'ai où du coup? Là, hein. Pas clair. Oh, j'étais pas prête. Le fait que ça repop. Ça met beaucoup de pression. Hein. De toute façon, je vais pas au bon endroit là. Mais bon. Sauf qu'il fallait juste descendre encore. Si on s'est trompé, on arrivera. Meuf, oui. Je pense que c'est l'endroit en jaune. Prendre de 12. Écoute mec, tu peux être encore utile, tu vas me sauver. En tout bien, tout honneur. Bien entendu. Hop! Je vais dormir d'un sommeil pas forcément profond après ça. Hein. 14h du matin, on joue des jeux étranges. J'ai fini la troisième mission! Mais c'est merveilleux! Il y a combien de missions actuellement? Faut qu'on regarde ça. Jour 38.
say there is a passage to the high energy research sector. You will need to use the water channel to get there. Be very careful. Avec le 5 noir, tout à fait. Là, c'était plus de la manipulation de trucs et tout, là. Alors, je vais regarder un petit peu les infos, parce que je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. Ah, le truc que j'ai vu avant, Gunslinger, c'est tuer 20 ennemis avec votre gun sans mourir. Nice. Je regarde un petit peu ce qu'il se dit. Oh, et vous savez que je suis à 7 succès sur 14. Faut finir. Je vais regarder, ça se trouve, c'est marqué déjà là. Tac. Alors, 3 ennemis en utilisant une seule balle de scan. Descendre en rappel la longueur totale de votre grappin. Ok. Creuser 100 mètres de tunnel. Tuer 5 ennemis en étant accroché au grappin. Ok, faire un niveau où il y a au moins 50 ennemis sans mourir. Et tuer 1000 monstres. Alors, regardons un petit peu pour les infos. Là, c'est le GG. Merveilleux. Alors, ça doit être expliqué exactement l'histoire de l'Early Access. Donc, actuellement, j'aimerais pouvoir finaliser le jeu dans un délai de 6 à 8 mois, déjà, ils disent. Je compte implémenter certaines fonctionnalités qui bénéficient des commentaires de l'accès anticipé, à savoir plus d'options multijoueurs, des classements et un éditeur de niveau. Les fonctionnalités de base sont déjà en place, mais pour la campagne solo, je compte poursuivre le développement de l'histoire et offrir du contenu supplémentaire. Blablabla. Et du coup, on sait pas combien il y a de niveaux. Ça m'intéresserait de savoir ça. Hop. Peut-être dans Hub de la communauté, c'est marqué. Éditeur de niveau. Ouais, ça, c'est, je pense, un truc. Franchement, moi, j'ai vu. Ah, il y en a un qui a complété le jeu. On va voir comme ça combien. Ok, il a complété le jeu, sa vidéo fait 4h30. Alors bien sûr, j'imagine que sa vidéo, c'est un walkthrough. Donc c'est vraiment en mode, il connaît le jeu, quoi. Et c'est de l'accès anticipé, le gars a dit qu'il rajouterait. J'aimerais bien voir s'il y a un endroit où on voit combien de jours c'est à la fin. Je vous spoil, hein. Là, j'ai vu un écran vert. C'était avant. Terrible, je ne trouve plus l'écran vert. On ne saura pas. J'ai envie de savoir en vrai pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. J'ai l'impression de tomber tout le temps sur le même truc. Eh bien, nous ne saurons pas. Hop. Bon, en tout cas, 4h30, sachant que moi, là, j'ai joué quasi 1h30, ou à peu près 1h30, donc ça fait encore 3 heures de jeu. Hein. Donc ça va, sachant que le mec a fait ça, je pense que c'est en mode... Ouais, il dit que son run était plus long que ça, mais il a enlevé des parties, bien sûr, au moment où il était coincé, ou quand c'était dur, etc. Mais ça lui a pris 6-7 heures pour venir à bout de l'Early Access. Ça fait quand même pas mal, hein, parce que quand vous pensez que là j'ai déjà joué 1h30, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de trucs. J'ai l'impression d'avoir joué 3 siècles en vrai. J'avoue, en étant sous pression en fait, ça fait que le temps est ralenti en mode... en mode ça dure une éternité. Pas mal du tout. Je m'attendais pas à trouver le truc aussi intéressant et à jouer, il y a des bonnes idées comme ça, je pense qu'il va trouver son public si les gens lui laissent sa chance, puis 18 euros c'est pas cher quoi. Savoir s'il y a un bon suivi aussi, s'il y a l'éditeur de map, je pense qu'effectivement ça va être un bon truc, rien que là quand on l'évoque ça parle au chat donc... Et puis le multi en non local, je pense que ça ce sera un truc clé aussi. Clairement. Nice! Bonne petite découverte!